Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce lundi 22 mars 2021. Obsèques du Premier ministre, cérémonie du 7e jour, sacrifice, bénédiction, invocation pour accompagner le défunt. Titre le journal Fraternité Matin. La famille exprime sa reconnaissance au chef de l'État. Raymond Goudou, Ahmed Bakayoko avec une stature multidimensionnelle. Plus de détails dans Fraternité Matin. Mobilisation et don à la dimension de sa générosité et de sa bonté à Bobo hier, peut-on lire à la une du journal L'Intelligent d'Abidjan. Le quotidien revient sur la cérémonie du 7e jour du rappel à Allah du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Séguéla, retour sur les derniers instants, sur terre et sur la séparation. À Bouaké, des membres du JIPAD organisent une procession pour le repos de l'âme du défunt. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Événements et décès des personnalités au sommet, Dieu parle à Ouattara et à toute la Côte d'Ivoire, Barassa Une, le journal Le Nouveau Réveil. Il faut privilégier l'unité de la nation, ajoute le journal à sa une. Ouattara veut tenter encore de casser le PDCI, nous apprend Le Nouveau Réveil à sa une. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.